بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourquoi ne fais-tu pas la prière ? Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse, un mécru. Pourquoi ne fais-tu pas la prière ? Le premier devoir dont l'homme est appelé à rendre compte le jour de la résurrection est la prière. Pourquoi ne fais-tu pas la prière ? Tu te dis, plus tard. Mais le jour où l'ange de la mort viendra à ta rencontre, cela sera trop tard. Quelles excuses présentent ceux qui n'accomplissent pas la prière ? Première excuse. Moi, alhamdoulilah, je vole pas, je mens pas. Je pense pas que ce soit si grave que ça de pas faire la prière. Mieux vaut être comme moi, plutôt que faire la prière et en même temps mentir, sortir en boîte comme j'en connais. Allah le Très-Haut dit. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis, leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. Jabir rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire, entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, celui qui la délaisse, un mécru. La prière est donc ce qui nous différencie des non-croyants. Celui qui présente cette fausse excuse se prétend aussi être musulman, mais il n'accomplit pas ce qui nous différencie le plus des non-musulmans, la prière pour Allah seul. Ce n'est pas le fait de ne pas voler ou de ne pas mentir qui nous différencie en premier lieu des autres religions, car des chrétiens peuvent être meilleurs que des musulmans sur ce point, mais c'est notre croyance et notre prière qui nous différencie en priorité. Certes, le mensonge, le vol, la fornication sont de graves péchés, mais l'abandon de la prière reste malgré tout pire que ces péchés. Il n'est pas honnête de condamner une attitude alors que la nôtre est plus à plaindre. Alors, nous conseillons à cette personne de regarder ses péchés avant ceux des autres. Commence par ta personne en lui interdisant sa déviation. Si elle cesse d'être déviée, tu es certainement doué de raison. À cet instant, on acceptera ta parole et un exemple tu seras. Ce que tu dis sera pris en compte et ton enseignement servira. N'interdis point un comportement que toi-même tu commets. Honte à toi si tu effectues ce que toi-même tu condamnais. Deuxième excuse. Je fais trop de bêtises pour pouvoir prier. Franchement, ce serait de l'hypocrisie de ma part de prier dans cet état. Quand j'arrêterai mes bêtises, là je me lancerai dans la prière. Allah le Très-Haut dit. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et il dit également: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière.
C'est la prière qui donne la force d'arrêter ce qui est blâmable, c'est elle qui aide à arrêter tous les vices. C'est donc la prière qui doit être accomplie avant de pouvoir se délier des péchés, et non l'inverse. De plus, Allah le Très-Haut dit « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ » Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les saintes prières sont-elles un fleuve passant près de sa porte et on se lave cinq fois par jour. Ainsi sont expiés les péchés. Si les prières sont établies entre autres pour nous laver de nos péchés, est-il logique d'attendre de ne plus faire de péché avant de commencer à prier? Cela ressemble à celui qui prétend être trop sale pour se laver. Ça n'a vraiment aucun sens. D'autant plus, ne pas faire la prière est en soi-même un très grave péché. Troisième excuse. Je suis trop jeune, je préfère profiter un peu de ma jeunesse. Et de toute façon, je compte bien m'y mettre un jour ou l'autre. Allah le Très-Haut dit إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre préparé pour les pieux. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit hâtez-vous de faire les bonnes œuvres avant les périodes de troubles et de tentations, telle une nuit sombre, l'homme croyant le matin devient mécréant le soir, ou croyant le soir devient mécréant le matin. Il vend sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Es-tu sûr que tu vas vivre autant de temps que tu le penses? Et surtout, es-tu sûr que même si tu profites de ta jeunesse, vas-tu ensuite vraiment t'y mettre? Ne penses-tu pas que tu te mens à toi-même en remettant toujours les choses à demain? À chaque fois que tu te poses la question, tu te dis « plus tard, plus tard ». Mais le jour où l'ange de la mort viendra à ta rencontre, cela sera trop tard. Ne sais-tu pas que l'islam est une religion qui valorise les bonnes œuvres durant la jeunesse? En effet, le jeune pieux sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, rapporte du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il a conseillé un homme en ces termes. Profite de cinq choses, c'est-à-dire en accomplissant les bonnes œuvres, avant que cinq autres ne surviennent, de ta vie avant que ta mort ne survienne, de ta bonne santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé, de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu, de ta richesse avant que d'être touché par la pauvreté. Quatrième excuse. C'est trop tard, j'ai trop d'ignorance. Allah ne me pardonnera jamais. Allah le Très-Haut dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دي. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agré, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah exalté tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour, et le jour pour accepter le repentir du pécheur de nuit, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. » Si Allah et son messager te disent qu'il n'est pas trop tard, comment croire qu'Allah ne te pardonnera jamais?
Remets-toi en question et reviens vers Allah maintenant sans tarder. Cinquième excuse. Je suis débordé. Franchement, pour l'instant, j'ai pas le temps. Et en plus, on ne dit pas que le travail, c'est l'adoration ? Allah le Très-Haut dit. Inna wa'da Allahi haqqa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'a guéri, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on suppose que l'on accomplisse chaque prière en 5 minutes, qu'on multiplie par 5 prières quotidiennes, on obtient un total de 25 minutes par jour, soit à peu près 1 minute par heure. Qui d'entre nous serait assez avare pour refuser à son Créateur 1 minute par heure ? Quant à la phrase qui est dite à tort et à travers, « Le travail, c'est l'adoration », ne provient ni du Coran, ni de la Sunna, et elle prête vraiment à rire. Si le travail, qui est en soi-même une chose honorable, occupe au point de ne pas avoir le temps de donner 5 minutes à ton Créateur, alors c'est vrai, tu dois être en pleine adoration, l'adoration de Satan, l'adoration de l'argent, mais certainement pas celle d'Allah. Sixième excuse. J'ai peur d'arrêter la prière. Surtout qu'on m'a dit que si on commençait la prière et qu'on l'arrêtait, c'était pire que de n'avoir rien fait. Allah le Très-Haut dit. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Craignez Allah, ne serait-ce que par le fait d'offrir une demi-date. Comment celui qui essaye d'obéir à Allah et n'y arrive pas, pourrait-il être pareil ou même pire à celui qui ne tente rien ? Dire de telles choses est vraiment un mensonge évident. Celui qui fait la prière, puis s'arrête, serait-il égal à celui qui ne s'est jamais prosterné ? Que fait-on lorsqu'un bébé apprend à marcher et tombe, puis retombe ? Lui dit-on, arrête de vouloir marcher, tu vas encore tomber. Mais non, on l'encourage. Il est stupide d'empêcher son bébé de marcher parce qu'on a peur qu'il tombe encore. Il est aussi stupide de ne pas prier parce qu'on a peur d'arrêter. Septième excuse. La foi, c'est dans le cœur. Allah le Très-Haut dit. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, qui de vous est le meilleur en œuvre? Si nous sommes sur terre, c'est bien pour prouver notre foi justement. Et comment? Avec nos actes. C'est bien beau de dire à quelqu'un je t'aime, mais si tes actes ne suivent pas, il s'apercevra très vite que c'est du mensonge. Il est plutôt juste de dire que la foi est ce qui est solidement ancré dans le cœur et qui est prouvé par les actes. Huitième excuse. Moi, j'aimerais bien faire la prière, mais j'ai un problème au genou. Allah le Très-Haut dit. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Selon Imran ibn Hussein, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Prie debout, si tu ne peux pas, alors assis, si tu ne peux pas, alors sur le côté. » L'islam, c'est la facilité. Le malade n'a pas à souffrir pour accomplir la prière, car Allah l'a facilité. De même, quand on est en voyage, ce qui souvent est épuisant, alors on raccourcit notre prière. Quand on ne trouve pas d'eau pour se purifier, alors on peut le faire avec de la terre. Tout cela pour que l'on n'éprouve aucune peine dans nos adorations.
On voit bien qu'il n'y a donc aucun argument plausible pour celui qui ne pratique pas la prière. Ne vous faites pas avoir par les ruses de Satan et ses illusions. Allah est bien véridique. Il dit la ruse du diable est certes faible. Que ceux qui ne pratiquent pas encore la prière se demandent donc pourquoi. Les autres sont-ils meilleurs que moi? Sont-ils plus intelligents que moi? Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi? Il n'y a de pouvoir ni de puissance qu'en Allah. Pour conclure, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le premier devoir dont l'homme est appelé à rendre compte le jour de la résurrection est la prière. » Notre Seigneur, auquel rien n'échappe, s'adressant aux anges, leur dira « Voyez si la prière de mon serviteur est parfaite. Si elle l'est, inscrivez-la lui parfaite. Si mon serviteur a des prières surérogatoires, comblez-les avec les imperfections. Ainsi, il en sera pour tous ses actes. » Que présenteront ceux qui n'ont ni prières obligatoires à leur actif, et a fortiori, ni prières surérogatoires? Réfléchissez, mes chers frères et sœurs. Commencez à faire la prière. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Belleru anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com. L'islam à la portée de tous.